Que du bonheur. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, chers amis de Boulevard des Femmes, nous avons changé de décor. Nous avons spécialement quitté le studio pour envahir le domicile de notre invité. Du coup, c'est nous qui devions être les invités. Néanmoins, nous imposons toujours notre veto et la reine du jour n'y trouve aucun inconvénient. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue donc sur Boulevard des Femmes. Sur Boulevard des Femmes, nous avons pris l'engagement de sensibiliser autant que possible sur les questions liées au respect des droits de la femme et à promouvoir toute action susceptible de promouvoir également son bien-être et partant le bien-être de la société. Et c'est aussi la vision de celle qui nous reçoit aujourd'hui chez elle, notre invitée Fil Rouge. J'imagine que vous êtes impatient de savoir qui c'est. Vous êtes impatient de découvrir cette mystérieuse invitée, mais je vais vous faire languir un peu, juste le temps de retrouver Mirabelle et Fifamé. Mesdames, bonsoir. Bonsoir Ghislaine. La grande forme, j'imagine. Ouais, surtout. Comme ça peut se voir. Ah ouais, et surtout celui-là, je souris de Fifamé que je découvre ce soir. Peux savoir le secret? Je préfère ne pas en parler. Bon, vous savez, hein, simplement, la base, c'est la joie de vivre. Malgré tout, il faut garder le sourire. Mais je parie que le cadre contribue aussi, vraiment, ce joli espace dans lequel... On communique avec la nature et ça ne peut pas être plus... Oh là là, vous mettez de l'eau à la bouche de nos téléspectateurs et on va le faire davantage, croyez-moi. Alors, avant de dévoiler aux téléspectateurs donc, l'identité de notre invité et de notre hôte, et si on jouait un petit quiz, histoire de voir si certains pourraient deviner qui c'est? Je suis partante. Eh bien, je commence déjà par un premier indice. Je dis femme Amazon. Amazon des temps modernes, bien sûr. Présidente de parti politique au Bénin. Et je vais ajouter qu'elle dirige depuis quelques mois l'Institut national de la femme, une institution qui défend et promeut le droit des femmes. Alors, chers amis téléspectateurs, je suis sûre que certains ont déjà deviné qui c'est. C'est clair. Voici donc notre invité, Fil Rouge. Les différentes formes de violences faites aux femmes existent bel et bien dans notre
fait le choix d'avancer dans une jungle, la politique où tous les coups sont permis. Autant elle encaisse, autant elle sait en donner. Son arme favorite, l'audace. On dira sans risque de se tromper qu'elle est elle-même l'exemple de cet engagement utile de la femme dans l'action publique pour le développement de la nation. Elle se bat au quotidien pour que le leadership féminin s'affirme davantage. Elle met l'accent sur l'éducation des jeunes filles dans ce sens. Son parti, l'UDBN, aujourd'hui fusionné au BR, accorde priorité aux femmes et aux jeunes. À l'international, le leadership de l'honorable Claudine Affiavi-Prudencio est célébré. Elle occupe depuis 2019 les prestigieuses fonctions de conseillère spéciale du président du Parlement panafricain. Dans cette position, elle s'occupe des questions de paix et de développement pour le compte de 50 pays. Et comme pour couronner tout cet engagement et cette farouche détermination pour la cause de la femme, Claudine Affiavi-Prudencio est nommée depuis septembre 2021 en Conseil des ministres, présidente de l'Institut national de la femme. On peut dire, au bénéfice de tout ce qui précède, que Claudine Affiavi-Prudencio, c'est plus que 2 décennies de présence sur la scène publique et politique bien remplie. Tout un label. Mais cet élogieux parcours ne s'est sans doute pas fait sans écueil. L'honorable Claudine Prudencio nous dira sûrement dans ce numéro de Boulevard des Femmes ses secrets et astuces pour faire face aux obstacles et triompher. Eh oui, nous sommes dans le jardin du domicile de cette femme intrépide, femme leader d'exception, femme innovante, femme audace, femme au cœur d'or. Mirabelle Fufamé, je vous prie de reconnaître avec moi la présence sur Boulevard des Femmes de la présidente de l'Institut national de la femme, l'honorable Claudine Affiavi-Prudencio. Honorable, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Alors, quand on dit reconnaître la présence de quelqu'un, on applaudit. Ah oui, je m'apprêtais à déposer mon Voilà. Merci beaucoup. Honorable, vous n'êtes plus à présenter. Hein, et c'est un véritable honneur pour nous de vous avoir sur Boulevard des Femmes. Merci beaucoup. On a laissé dans l'élément portrait une question. Votre secret pour affranchir autant et autant d'obstacles pour assumer autant et autant de responsabilités. Est-ce que j'ai vraiment de secret, non? Je crois que j'ai simplement suivi ma feu mère, qui était une brillante femme politique dans ce pays. Donc, j'ai toujours suivi ses conseils. Et depuis son décès, je crois que j'ai pris la décision de la ressembler davantage. Et c'est ce que je fais. Comme coup, j'en ai reçu énormément. Je n'ai pas pu donner comme... comme j'ai entendu tout à l'heure. Nous, on a plutôt souligné parce que vous en savez donner aussi. Hein? Non, je n'ai pas pu donner parce que je suis une chrétienne catholique. Et je sais que ce que Dieu a écrit, personne ne peut l'effacer. Parce que Dieu écrit toujours... ce qu'il donne à ses enfants avec une encre indélébile. Non, mais c'est voilà, c'est ça. Comment peut-on recevoir autant de coups? Et en politique, on parle du terrain politique sans pouvoir en donner. Ou bien vous en avez donné avec douceur sans vous en rendre compte? Non, je n'en ai pas donné parce que j'ai la crainte de Dieu. Mais il y a aussi le silence qui est une façon de punir son vis-à-vis. Hein? Ah oui, une arme très puissante aussi. Exactement. Souligner le fait que votre mère a eu vraiment un impact positif dans votre vie. Pour moi, cela témoigne du rôle de nos mères encore dans nos vies. Le rôle, l'impact qu'une mère peut avoir sur son enfant si elle est vraiment inspirante. Ah ben oui. Et l'honorable Claudine Affiavi et Prudencio, pour nous une mère, on doit donc nous inspirer de son exemple, hein, ou bien l'écho. Oui, évidemment. Et en dehors de... l'impact ou du rôle de la maman, d'où vous vient cette motivation? Parce qu'il faut pouvoir tirer cette force de quelque part. Mais de ma mère.
De ma mère. Toujours l'inspirante maman. Alors, honorable, on vous connaît sur le chantier politique, on vous connaît dans le monde des affaires, on vous sait aussi sur le terrain des œuvres sociales. Mais depuis quelques mois, vous avez une nouvelle casquette, celle de la présidente de l'Institut national de la femme. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Oh là là. Ça représente pour moi une grande marque de confiance de la part du chef de l'État qui fait beaucoup pour les femmes en ce moment et qui fait de la protection et de la promotion de la femme son combat au quotidien. Ça représente pour moi aussi un grand défi. Un grand défi parce que le chantier est vaste. Ah oui, le chantier est vraiment vaste. Voilà. Parce que protéger 52% de femmes et de filles dans notre société, je crois qu'il faut le faire. Et la mission de l'Institut passe par là. Parce qu'il faut arriver à éradiquer véritablement les violences que nous observons. Ça représente pour moi également un challenge, un défi, comme je l'ai dit tantôt, et aussi une responsabilité. Une responsabilité parce que les femmes sont là, elles nous observent et elles attendent beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'Institut. Beaucoup. Alors, vous avez dit, hein, le chantier est très vaste et la tâche qui incombe désormais à l'Institut national de la femme est aussi exaltante. Et parlant de tâche qui est vaste, vous en savez déjà quelque chose. Parlons justement de ces violences que subissent les femmes. Elles sont multiples et on ne parle souvent que des violences physiques, les violences physiques, les coups et blessures. On parle aussi des viols et autres. Mais il n'existe pas que cette de formes de violence, justement. Pour avoir été ministre au Bénin, députée plusieurs fois, présidente de parti politique et ayant véritablement travaillé avec les femmes dans le social pour leurs activités génératrices de revenus, pour les aider vraiment à sortir de la précarité, je puis vous dire que je connais véritablement le problème des femmes et comme violence dont on ne parle pas, y en a de plusieurs sortes. Hein. Il y a des violences silencieuses, je veux dire, des violences psychologiques vraiment, morales. Il y a ces genres de violences, de cyber-violences aussi. Parce que aujourd'hui, avec l'évolution de la nouvelle technologie, on observe des caricatures, des messages postés sur les réseaux sociaux contre les femmes, des messages qui violentent les femmes, qui harcèlent les femmes, qui ruinent les femmes. Il y a tout ça. Il y a également des violences qui minent davantage les femmes, des violences qu'on observe dans nos foyers, par exemple le mari qui découche, alors que ce n'était pas ce projet que vous aviez fait avant de vous mettre ensemble. Quand le mari découche, c'est une violence. Ah mais oui. Mais oui, c'est une violence psychologique. C'est une violence psychologique où le mari qui insulte sa femme. Ah oui, devant. Les violences verbales. Voilà, exactement. Les dénigrements, voilà, les humiliations. Voilà, des dénigrements, etc. Il y a tout ce genre de violences qu'on observe aujourd'hui. Et c'est la réponse que nous avons aujourd'hui qui est l'Institut national des femmes nouvellement créé par le président de la République. Alors, au nombre de toutes ces violences, quelles sont les plus récurrentes au Bénin? Il y a des violences qui cloisonnent la femme dans un seul endroit, c'est-à-dire que vous en subissez, hein, moi également. Dans vos services, par exemple, les gens estiment que la femme ne peut pas jouer
un certain rôle. Justement, moi, je voulais en venir. Il y a aussi les violences ne sont pas qu'au domicile. Hein. Il y en a aussi dans la rue, il y en a aussi dans nos services, dans nos administrations. Voilà, c'est ça. Donc, on estime que la femme ne peut pas jouer un certain rôle. Il faut confier uniquement ses rôles aux hommes, etc. Vous voyez, alors que vous avez fait les mêmes études. Oui, j'ai des contreparties. On ne peut plus vraiment exagérer à la femme avant de lui confier une certaine tâche ou un certain rôle. Exactement. Ou certains responsables, quand ils n'arrivent pas à avoir les femmes. Voilà, exactement. Ils négligent cette collaboratrice femme. Vous voyez, ils négligent cette collaboratrice femme et c'est récurrent. C'est aussi les femmes qui violentent d'autres femmes. Ça, il faut aussi le reconnaître. Il y a des femmes qui ne permettent pas à leurs consoeurs ou à leurs collègues, autres femmes, d'avoir peut-être les mêmes privilèges ou qui essaient de les combattre juste par pure jalousie. Voilà. On estime peut-être qu'elle est venue, elle est juste venue pour me ravir la vedette et puis voilà, il y a cette guerre-là entre les femmes qui ne cessent jamais. Des femmes aînées qui ne laissent pas de la place aux jeunes. C'est cela. Mais FIFA, mais moi, je ne te fais pas ça à la rédaction. Pas du tout. Ah, ben, d'accord. Ghislaine, elle est exceptionnelle. Aujourd'hui, à la tête de l'Institut national de la femme, par où est-ce que vous entendez commencer vraiment cette lutte? Il faut dire qu'on a déjà commencé. Hein. C'est vrai que nous ne sommes pas encore installés parce que nous sommes à l'aide de la bonne gouvernance. Il faut passer les marchés pour pouvoir équiper l'immeuble et intégrer l'immeuble. On n'a pas encore intégré l'immeuble, effectivement, mais le besoin est là. Et aussitôt, à notre nomination, on a commencé. Quelles sont les actions phares jusqu'ici menées? On peut en savoir? Nous recevons assez de mémoires, assez de courriers qui ne parlent que de violences que les femmes subissent, le viol, etc. Violences dans les universités, le harcèlement, un peu partout. Et nous sommes déjà sur le chantier, nous travaillons fortement. Les services techniques sont à pied d'œuvre. Et vous savez que nous avons la possibilité aujourd'hui d'ester en justice et de se constituer partie civile aux côtés des victimes. Donc nous le faisons déjà, nous sommes sur le chantier. Sans doute votre engagement aux côtés des femmes qui a poussé le président à vous mettre à ce poste. Dites-nous pourquoi autant d'engagement à l'endroit de la femme. Je suis femme et je n'accepte pas l'injustice. J'ai été éduquée de cette façon parce que ma mère était une femme forte dans ce pays et aussi en Afrique. Elle était partout, elle était vraiment connue dans le monde politique, dans le monde des affaires, parce qu'elle était une grande commerçante, une grossiste de Oise hollandais. Elle est partie. Mais je peux vous dire que ça, c'est l'un de ses dessins. Hein. Ah, d'accord. La boutique de Mamie est encore là-bas? Ah, mais oui, toujours. On ira visiter la boutique. Vous avez choix. Ah, oui. Voilà, donc, il faut dire que j'ai pris tout ça d'elle. Et je suis une femme déterminée. Et mes enfants aussi me donnent beaucoup de courage et de conseils. Idem pour mon mari. On me demande d'avancer. Ah ben justement, voilà. L'honorable parle de ses enfants et au cours des briefings, des rencontres de préparation de cette émission, j'ai eu à rencontrer un de ses garçons. Ah ben voilà, un de ses enfants, le seul garçon, je crois. Le seul garçon. Ah ben oui. Plus, même c'est quand le vrai conseiller de maman, en tout cas. Même quand vous le croisez en ville, on n'a pas besoin de vous dire que c'est l'enfant de l'honorable. Il y a tellement de ressemblances. Trop de ressemblances. Un coucou. Est-ce qu'à un moment de votre parcours, vous avez regretté d'être venu à la politique? Non, pas du tout. Hein. Pas du tout, parce que c'est une passion pour moi. C'est une passion pour moi. Il faut dire que depuis ma nomination à l'Institut, je dois me retirer un peu parce que je suis pour toute la nation aujourd'hui.
sans parti pris, je dois travailler sans parti pris. Ah oui, vous voyez? Non, on vous a arraché. Ouais. Il n'y a plus de politique. Il n'y a que les femmes qui comptent. Avec les femmes, il n'y a pas la politique. Voilà. Même si c'est la politique qui va nous aider à redorer notre blason. Alors, aujourd'hui, à la tête de l'Institut national, de quoi avez-vous besoin concrètement pour mener à bien cette lutte ou cette mission qui vous est assignée? Nous avons besoin de vous toutes les femmes. De toutes les femmes, on en a besoin pour mener à bien cette lutte parce qu'il faut arriver à éradiquer définitivement de notre pays les violences faites aux femmes. C'est important. Et là, on ne va plus parler du besoin politique parce que la volonté politique est là. Le chef de l'État est déterminé. Il est avec nous sur ce plan. Voilà. Il y a l'arsenal juridique. L'arsenal juridique est également là. Et par rapport aux trois dernières lois votées à l'Assemblée, donc, on n'a plus besoin de grandes choses. C'est le travail. On doit foncer sur le terrain et c'est ce que nous faisons en ce moment. Mais l'honorable l'a dit, hein, c'est clair que l'Institut national de la femme ne sera efficace que si toutes les femmes mettent la main à la pâte, comme on le dit. Et justement, fort heureusement, avant de laisser FIFA me poser sa question, nous allons aller à la régie. Parce qu'il y a déjà quelques-unes qui ont déjà compris ce concept où on dit que toutes les femmes doivent quand même déjà agir pour elles-mêmes s'autonomiser et lutter efficacement contre les violences que nous subissons. Et je vous invite donc à découvrir un réseau d'associations de femmes qui œuvrent pour la promotion de la production et de la consommation locale. C'est un réseau dénommé Réseau Femmes Vertes. La vision du réseau, c'est de faire du Bénin une puissance agricole. Et si nous devons faire du Bénin une puissance agricole, ça veut dire que nous devons nous lever et travailler à ce que nous consommons, nous puissions tout au moins produire ce que nous consommons. Et si nous consommons des choses que nous ne produisons pas, ça pose un problème. Et la pandémie de la COVID nous a vraiment réveillés du sommeil. On s'est dit, attention, on doit vraiment travailler dur, travailler davantage. Nous devons nous lever et nous devons vraiment travailler. Et ça, on ne peut pas le faire sans la femme. Vous voyez, donc la femme, quand elle comprend quelque chose, quand elle comprend l'enjeu, elle se dit, attention, l'enjeu est de taille, je dois tout faire pour pouvoir émerger. Et émerger, c'est en travaillant. Les gens n'aiment pas consommer les produits de chez nous. Alors qu'au Bénin, Dieu nous a bénis, quoi. On a tout au Bénin. Mais malheureusement, les gens pensent que le made in Benin n'est pas quelque chose de bon, mais plutôt que c'est ce qui vient d'ailleurs. Et ça a été toujours ça. On pense que c'est le gazon du voisin qui est vert et que chez soi, non, il ne fait pas belle vie. Je pense qu'on doit corriger ça. Donc, nous avons un problème de tête. Donc, c'est la tête qu'il faut corriger. Et nous avons constaté que ici, dans notre pays, cher beau pays, le Bénin, nous n'avons pas un problème de tête, non. Nous avons un problème de tête. Donc, c'est la tête qu'il faut corriger. Donc, changer les mentalités. Et si nous sommes en train de dire ça, c'est parce que nous avons constaté qu'il y avait une de nos femmes qui produit du riz. Et on a constaté que les gens ne produisaient pas, mais les gens achetaient le riz qui venait d'ailleurs. Il a suffi seulement de faire un reconditionnement pour que les gens raffolent ce riz et ils demandent davantage. Et c'est après qu'ils ont compris mais que c'est le même riz qu'ils avaient rejeté là, qu'ils sont en train d'acheter avec beaucoup d'empressement, vous voyez. Donc on doit sensibiliser, on doit faire ce travail. Et quand nous allons nous lever et nous allons davantage travailler, nous allons vraiment atteindre notre objectif qui est de faire vraiment du Bénin et une puissance agricole. Le réseau organise une foire verte dénommée foire du consommant local. Et à cette foire, nous offrons des produits sains, des produits bien faits dans des cadres adéquats, des produits qui vont garantir notre santé et vont nous donner la longévité. À cette fois, nous avons des produits transformés, des jus de fruits. Nous avons des produits
maraîchers transformés, des produits maraîchers frais comme des légumes et des carottes, tout ce qui entre dans la consommation du quotidien, des céréales, étant donné que cette fois, c'est une fois des produits agricoles, vous aurez tous ces aliments qui sont utilisés au quotidien. Et cette fois est organisée dans l'enceinte de la société civile en face du stade de l'Amitié. Ce que nous demandons à nos sœurs, c'est d'avoir confiance en elles, parce que les femmes ont des compétences qu'elles ignorent. Il faut qu'elles se battent pour découvrir leurs compétences et qu'elles n'aient pas qu'elles ne se sous-estiment pas. Pour adhérer au réseau, il faut être soit une ONG, soit un groupement, mais de femmes. Et quand vous êtes au bavardage, vous n'êtes pas la bienvenue dans notre réseau. Mais quand vous travaillez, vous envoyez une lettre de demande d'adhésion et on étudie. On vient voir ce que vous êtes en train de faire et on voit si, bon, en venant dans le réseau, vous allez pouvoir émerger, on vous prend. Mais si on voit que, bon, ce n'est pas encore ça, on travaille avec vous jusqu'à ce que vous atteigniez et le niveau afin que nous puissions vraiment vous prendre. Mais vous l'avez compris, avec le réseau Femmes Vertes, les femmes doivent prendre leur bâton de pèlerin, hein, elles doivent se défendre elles-mêmes, elles doivent chercher à s'autonomiser et ne pas rester cloîtrées là, à subir les violences. Moi je pense que c'est déjà une façon de lutter soi-même contre les violences que nous subissons. Bien sûr, parce que tu ne peux pas rester là tout le temps, compter sur l'homme et espérer être vraiment à l'abri de toutes ces violences-là. Parce que quand l'homme, c'est lui qui prend toujours le devant, c'est lui qui doit toujours tout donner, à un moment, il va se lasser et puis c'est compliqué pour la femme. Je vois une femme et réagir avec beaucoup de contenance et je vois une femme leader en devenir. Ah ben oui, je suis fière de ma petite sœur là. Ah oui, mais quand je tu dois... Je suis les traces des dadas. C'est clair. Quand tu dois tout le temps tendre la main à un homme, un jour, il est fatigué et c'est là même que démarrent les violences. Ça sera verbal au début et après les coups vont passer dedans. Il faut être autonome, il faut pouvoir faire quelque chose, avoir son propre revenu. C'est très important. Moi, je pense qu'il y a un piège quand on dit à la femme, tu laisses ce que tu fais quand tu te maries. Il y a de ces hommes-là qui imposent ça à la femme. Il y a un gros piège. Attention au monsieur qui va épouser une femme, il doit pouvoir la laisser travailler. Qu'il se prépare honorable, en connaissance de cause. Honorable, nous avons vu à travers cet élément et à travers la réaction de mes consoeurs que la femme doit déjà être, la femme est la première défenseuse de ses droits et la première à lutter contre les violences faites aux femmes. Alors, quelles sont les autres solutions qu'on peut préconiser? On sait qu'il n'y a rien qui justifie une quelconque violence, on n'ira pas chercher les causes, donc on n'ira donc pas parler des causes. On veut juste maintenant trouver des solutions. Parce que l'Institut national de la femme doit réussir sa mission. Les violences basées sur le genre doivent effectivement cesser et c'est d'ailleurs le credo des Nations Unies. La femme ne doit pas accepter de rester dans une position de dominé éternel. Ce n'est pas possible. Voilà, ce qu'on a suivi tout à l'heure est vraiment une bonne chose. Aider la femme à s'autonomiser. C'est très important et c'est ça qui est récurrent, c'est ça que nous enseignons aux femmes sur le terrain. Et l'Institut national de la femme, nouvelle formule, est la solution aujourd'hui parce que l'Institut est arrivé pour promouvoir la femme et la protéger davantage. L'Institut est là pour donner cette réponse, la promotion de la femme, c'est au plan politique, économique, social, culturel, juridique. Il y a l'une de nos aînées qui m'a appelée, par exemple, il y a cela une semaine, je crois, pour me dire que, Madame la Présidente, je ne suis pas contente parce que j'ai vu la liste et de nomination en Conseil des ministres et il n'y a qu'une ou deux femmes. Je ne suis pas contente parce que vous êtes là pour faire la promotion de la femme. J'ai dit à cette aînée que
Elle a raison. Elle a raison. Nous venons de commencer, nous sommes sur le terrain. Et cette promotion de la femme, l'Institut est là pour ça. Et le chef de l'État même nous accompagne sur le sujet. Donc il n'y aura pas de problème. Je crois que ces nominations dont nous voyons, dont on observe aujourd'hui, et sont des nominations que le chef de l'État a fait, mais nous avons aussi notre proposition. On a tout ce qu'il faut pour faire cette promotion, parce qu'il y a la liste des femmes compétentes du Bénin. On va commencer par puiser dans cette liste-là pour pouvoir faire nommer les femmes, pour pouvoir les placer correctement au niveau sur les listes électorales. Parce que vous savez, il y a la discrimination positive qui a été votée à l'Assemblée nationale suite à la révision de la Constitution. Donc tout ça, l'Institut est venu pour donner cette réponse. Alors, celle que nous allons aussi découvrir tout à l'heure, elle est écrivaine, féministe et femme politique. Voici donc le portrait de Chimamanda Ngozi que nous propose Fifame Salomé Atadeji. Chimamanda Ngozi Adichie, écrivaine nigériane, militante féministe et femme politique. Née dans la ville d'Enugu, elle grandit dans la ville universitaire de Nsukka, au sud-est du Nigeria. Elle est la cinquième d'une famille Igbo de 6 enfants. Durant son enfance, son père enseignait à l'UNN, Université du Nigeria à Nsukka, comme professeur de statistiques. Sa mère y était employée comme la responsable du bureau de la scolarité. Sa famille est originaire du village Aba, dans l'état d'Anambra. Pendant 1 an et demi, elle étudie la médecine et la pharmacologie à l'Université du Nigeria. À l'âge de 19 ans, elle quitte le Nigeria pour les États-Unis, où elle étudie la communication et les sciences politiques à l'Université Drexel. En 2001, elle obtient son diplôme universitaire avec une mention honorifique. Elle achève ensuite un master en création littéraire à l'Université Johns Hopkins de Baltimore en 2003, puis une maîtrise en arts d'études africaines à l'Université Yale en 2008. La brillante dame obtient en 2017 un doctorat en littérature au Haverford College. Elle reçoit en 2019 un doctorat honoris causa de l'Université de Fribourg en Suisse. Elle publie son premier recueil de poèmes, Decisions, en 1997 et une pièce de théâtre For Love of Biafra en 1998. Sa carrière en littérature prend son envol avec la publication en 2003 de Purple Hibiscus, roman d'initiation où un frère et une sœur finissent par retrouver leur voie. Ce roman est nommé au Bailey's Women's Prize for Fiction en 2004 et proclamé meilleur premier livre du prix littéraire Commonwealth Writers Prize en 2005. Son deuxième roman, L'autre moitié du soleil, titré en anglais Half of Yellow Sun, paraît en 2006. Le roman sera adapté au cinéma en 2014 pour la réalisation du film Half of Yellow Sun. Son premier recueil de nouvelles, The King Around Your Neck, est publié en avril 2009. En 2010, elle est listée parmi les 20 acteurs de moins de 40 ans à suivre du New Yorker. En 2013, paraît son 4e ouvrage, un roman intitulé Americana. Chimamanda y décrit avec un humour caustique le problème de racisme et de domination. Lupita Nyong'o achète les droits d'adaptation cinématographique du roman afin de produire un film dans lequel elle incarnait le personnage principal aux côtés de Brad Pitt.
Dans Cher Ijawele, publié en 2017, Chimamanda Ngozi Adichie propose une éducation féministe en 15 points qui devrait être donnée dès le plus jeune âge. Ce manuel de 15 points devient entre-temps un véritable phénomène. Il est traduit plus tard dans près de 20 langues. La chanteuse Beyoncé l'a repris dans sa chanson « Flawless » et la marque Dior a inscrit le titre sur des t-shirts. Le 11 mai 2017 à 18h, elle est élue à l'Académie américaine des arts et des sciences. L'un des plus grands honneurs intellectuels que l'on puisse recevoir aux États-Unis. Elle y reçoit un doctorat honorifique en lettres humaines. La même année, Fortune Magazine l'a nommée parmi les 50 leaders du monde. À propos de son engagement féministe, Chimamanda Ngozi Adichie dit ceci dans une interview en 2014. « Je me considère comme une conteuse d'histoire, mais cela ne me dérangerait pas si quelqu'un venait à me voir comme une écrivaine féministe. Je suis très féministe dans ma façon de regarder le monde et de quelque manière cette vision sur le monde doit faire partie de mon œuvre. » Elle dit qu'elle est très féministe dans sa façon de voir le monde. En réalité, ce sont les gens qui la voient comme étant féministe. Elle dit qu'elle fait juste ce qu'elle a à faire. Mais s'il arrive que certaines personnes la voient comme étant féministe, bon, elle fait avec. En réalité, quand les femmes réclament leurs droits, on dit qu'elle est féministe, elle est exigeante. Mais en réalité, on réclame ce qui nous revient de droit. Et pour son jeune âge, moi, je trouve qu'elle a vraiment un parcours impressionnant. Oui, plusieurs je... doctorats, elle a plusieurs cordes également à son arc. Et je me dis qu'elle a bénéficié aussi forcément de l'accompagnement de ses parents. Et c'est là qu'il faut inviter les parents à vraiment investir dans l'éducation de leurs enfants. Exactement. Et encore à les envoyer dans de bonnes écoles. C'est très important. C'est la preuve, hein, honorable, que quand on fait confiance aux femmes, quand on fait confiance aux filles, quand elles sont bien éduquées, elles peuvent effectivement changer le monde. Et c'est de ces genres de femmes et de ces genres de filles dont nous avons besoin. C'est une femme déterminée. Et l'émancipation de la femme passe par l'éducation. Sans l'éducation, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pour ça que, pour vous informer, moi-même, Claudine Prudencio, je continue mes études, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Ah oui. Alors, vous êtes à quel niveau? Vous êtes à quel niveau, madame? Oh là là, j'ai plusieurs masters. J'ai déjà fait mes 3 points de doctorat. Et bientôt, je vais soutenir une thèse. Ce ne sera pas une surprise, hein, si Francky vous retrouvez dans sa classe. Espérons que nous serions ici pour fêter ces moments. Les remises de diplôme. Il faut juste Dans ce cas, ne vous méprenez pas. Hein, ils le font en cachette. Et c'est après, vous venez découvrir ça le diplôme bien encadré. Absolument, absolument. Il faut dire que hier seulement, il y a Francky qui a reçu son diplôme parce que il a fait. Avant, il a fait Sciences Po. Ah ben, c'est une nouvelle. Voilà. Francky, tu es de l'autre côté. Je sais que tu nous entends. Il faut mettre le champagne au frais. On va le prendre tout à l'heure. Après l'émission, on continue la fête. Ça, c'est clair. Le diplôme lui a été envoyé hier parce que, n'étant pas là-bas, ça lui a été envoyé et j'étais vraiment, vraiment, vraiment contente. On va faire la fête. Vraiment. Et avec ce que l'honorable vient de nous dire à beaucoup d'autres femmes qui nous suivent ce soir, je voudrais dire qu'il ne faudrait pas que l'âge soit une limite pour vos ambitions, exactement, pour votre rêve. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il faut toujours continuer. Ah oui, très important. Exactement. Et comme nous venons de voir une jeune écrivaine, ça nous inspire à faire un peu de lecture. Comme il est d'ailleurs de coutume sur Boulevard des Femmes. Nous passons donc à Tâche d'encre avec Carmen Toudonou qui nous propose aujourd'hui le temple de la nuit profanée.
Bonjour à tous, je suis très ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce recueil de nouvelles et de récits de vie qui est coordonné par la béninoise Adélaïde Fassinou. Et le livre s'intitule « Le temple de la nuit profanée ». Il est publié en 2016 chez Star Éditions à Cotonou. Il s'agit d'une œuvre collective sur les violences faites aux femmes. Les autrices sont au nombre de 6. Il s'agit, outre la coordonnatrice de l'ouvrage, de Barbara Akloguin, de Lys Degla, de Bernadette Gagnon, de Anna Coty-Daivor et de votre chroniqueuse. Alors, jusqu'à quand, jusque donc à quand, c'est le titre de la troisième nouvelle, récit de la disparition tragique d'une jeune adolescente abusée sexuellement, puis clandestinement avortée par un adulte dont le seul mérite était d'avoir su l'aider parfois financièrement. Une autre nouvelle, L'envol de la pâte fumante, raconte le dénouement d'un mariage dont le quotidien était fait de violences et de tromperies de la part du mari jusqu'au jour où l'épouse cocu se venge de lui de la plus belle des manières. Au total, l'ouvrage présente 13 nouvelles que complètent une dizaine de récits signés d'étudiants toujours sur cette même thématique, la thématique des violences faites aux femmes. Nous allons finir avec un extrait de ce livre. Nous sommes page 90-91 et la nouvelle s'intitule « Le revers de la médaille ». Pourquoi passions-nous autant de temps ensemble, toi et moi, quand tu avais une femme enceinte de tes œuvres à la maison ? Pourquoi voulais-tu que je fasse un enfant quand tu avais déjà une commande en cours? Pourquoi passait-on du temps ensemble dans ta maison familiale alors que tous savaient que ta vie était ailleurs? Silence. Pourquoi? Je revis son air accablé et sa peine manifeste, mais maintenant, allongé sur mon lit, je refusais de le prendre en pitié, ni même de le comprendre. Qu'il m'ait aimé ou pas, seul Dieu le sait. Qu'il m'ait désiré, j'en ai souvent ou presque toujours eu la preuve. Mais le désir ne suffit pas pour construire une histoire ou en détruire une autre. Je me vis dans la peau de cette femme enceinte et seule, inquiète peut-être pour son homme qui prenait du bon temps ailleurs. J'imaginais ces moments où elle avait des contractions et au lieu d'être là pour la bercer tout doucement dans ses bras, il me berçait moi. Je m'en voulais de tous ces beaux moments que je lui ai volés, des câlins, des baisers, des mots doux qui lui étaient dus et que j'ai subtilisés. Je m'en voulais à mort d'avoir volé les tierces, des minutes, des heures, des jours, des mois de chaleur et d'affection à un bébé dans le ventre de sa mère. Et j'en voulais plus encore à Armis de m'avoir fait rêver, de m'avoir fait aimer, puis de me retirer sans crier gare tous ces rêves que je chérissais et ce lendemain à nous deux qui désormais n'existeraient plus jamais. J'en étais à ce point de mes réflexions quand ma grande sœur, comme à son habitude, ouvrit ma porte sans s'annoncer. Elle me vit en larmes et s'exclama. « Ma puce, tu as quoi? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas ?»« C'est Armis. »« Ah oui ? » ?»« Ton fameux Armis, le policier ?» Ce type m'a toujours paru louche, je te l'ai toujours répété. Que t'a-t-il fait? Il m'a brisé le cœur, j'éclatais de plus belle en sanglots. Il a une fille et une femme. Il m'a menti. Et moi, j'ai rien flairé, rien vu venir. J'étais aveugle. On a toujours tort d'aimer. On a toujours trop mal d'aimer. Voilà, c'est sur cet extrait que nous allons nous quitter. Je vais vous retrouver la prochaine fois avec autant de plaisir. Voilà, le temple de la nuit profanée. Le récit, je n'ai pas lu tout le livre, mais je pense que le récit, c'est une femme qui a quand même souffert. Elle a aimé, mais elle a vu son amour trahi. C'est un peu ça. Il n'y a pas que cette femme, c'est très courant. Ouais. Des femmes qui aiment et qui connaissent des déceptions à la fin. C'est ça et aussi, parfois, des violences. Parfois, on se demande si c'est vraiment nécessaire d'aimer ou utile. C'est aussi ça, des violences. Absolument, mais il faut aimer. Il faut aimer. Même si tu es 10 fois, mais savoir aimer. 15 fois. C'est moi, j'aime bien entendre l'honorable. Elle a dit, mais il faut aimer. Il faut aimer. Ah oui. C'est vrai. L'amour, c'est doux. Vraiment. Ghislaine s'apprête à lancer une bombe. Non, façon. Non, je ne vais pas y aller. Non, je ne vais pas y aller. Pas du tout, je ne vais pas y aller. Alors rassurez-vous, aujourd'hui, je suis d'humeur très sage. Parce que quand tu veux venir, c'est comme ça, tu fais aujourd'hui, les pas. Aujourd'hui, je suis d'humeur très sage parce que je suis avec ma maman.
Je la respecte beaucoup. Merci. Franchement, elle m'a très bien éduquée. Donc, du coup, ne faites pas penser que Gislaine se laisse les envoler passer. On lui donnera le temps de te découvrir. Ne me prêtez pas des intentions surtout. Et pour vous couper dans vos élans, nous allons passer à l'autre rubrique. Et c'est l'instant délice. Contrairement à nos habitudes, c'est notre invité qui démarre avec cette rubrique de recettes et astuces. Elle nous a prévu une petite surprise. Je ne sais pas ce que c'est. On va découvrir tout de suite après le jingle. Et voilà, Fifame a cédé sa place à la dame astucieuse du boulevard des femmes, Yasmine Damata. Elle reste souvent dans l'ombre, elle nous fuit, elle va enregistrer ces choses et nous en voit. Aujourd'hui, elle est là, sur le plateau avec nous, dans le beau jardin de l'honorable Claudine Prudencio. Mais comme je vous l'annonçais, c'est plutôt l'honorable qui démarre cette rubrique avec nous, avec une astuce très simple. L'honorable se propose de nous apprendre à faire le foulard le plus simplement possible quand on est pressé. Ghislaine, je remarque que tout ça, c'est pour que je ne puisse pas saluer l'honorable. Ah ben, vous avez le micro, madame. Honorable, mes respects. Alors, merci beaucoup. Je vous garde le jeu. Ok, d'accord, c'est mieux. Ah mais quel honneur de bénéficier. Ah ben, je constate que c'est sur la tête de Mirabel que l'honorable a choisi. Ah oui, ça m'irait très bien, j'imagine. Je profite pour recevoir l'onction aussi. Ah, en tout cas. Oui, bon, vous avez profité, vous avez... Oh, super. Alors, et je vais garder le foulard jusqu'à la fin de l'émission. Moi, j'ai bien envie de voler sa tête. Hein. Ah, ce soir, tu ne pourras pas. Je trouve que ça, Ghislaine, ça n'est pas vrai. Mieux. C'est pas Yasmine, vrai. Yasmine, vous avez votre foulard. Donc, voilà. Donc, c'est pas simple, mais beau. Oui, c'est vraiment voilà. Simple, tranquille. Rapide, j'avoue que j'aime bien. Pour des gens comme moi qui ne savent pas nouer le foulard, je trouve que c'est une très belle astuce. Et à Mirabel et moi, on ne sait pas. Et puis ça marie très bien ma tenue, vous avez remarqué. Mais c'est pas une raison pour emporter le foulard. Hein. Rassure-toi que je profite pour garder le foulard. Alors, on ne va pas priver la dame astucieuse du boulevard des femmes de nous proposer aussi son astuce ou sa recette du jour. Yasmine. Mais oui, chers téléspectateurs, c'est vrai que nous avons une astuce très simple ici, nouage de foulard. Mais je vais casser le rythme. Cette fois-ci, on ira en cuisine. En cuisine, je vous propose de la bicarbonate de soude, peu importe la marque. Je cache la marque parce que je connais les téléspectateurs. Ils iront rapidement prendre la marque exactement qu'on leur a montré, mais ce n'est pas ça. L'important, c'est d'avoir de la bicarbonate de soude. Et dès que vous êtes en cuisine, quand vous avez votre poêle qui est en feu, n'allez pas mettre de l'eau. Alors là, vous allez enflammer votre maison pour rien du tout. La simple astuce est de mettre de la bicarbonate de soude en bonne quantité que vous envoyez sur la flamme. Ça permet de dégager tout ce qui est graisse, flamme, ça l'éteint. Et puis, sans l'eau? Oui, sans l'eau. Dès que vous ajoutez l'eau, vous mettez du feu dans votre maison. Donc, c'est ce qu'il ne faut même pas du tout faire. L'eau, oubliez l'eau. C'est simple, la bicarbonate de soude. C'est toujours dans nos cuisines pour faire notre crin-crin, pour le nettoyage de nos carreaux. Donc là, vous l'utilisez cette fois-ci juste pour éteindre le feu. Donc elle est là, disponible pour vous, chers téléspectateurs. Ghislaine, j'ai fini pour aujourd'hui. Eh bien, mesdames, c'est l'instant. Maintenant, on va dégamer un peu. On descend un peu le mercure. J'adore cette partie. Eh bien, je suis désolée, hein, vous n'allez pas entendre ce que vous voulez entendre aujourd'hui. Ah. Vraiment? Alors, Christelle Sagboran, si vous êtes prête, c'est parti pour Coquine Taquine. Honorable Claudine Prudencio, nous voudrions bien vous soumettre, avec votre permission, à un jeu. Hein. Nous sommes ici, nous, les journalistes, acteurs des médias. Vous avez une chaîne de télévision, donc vous n'êtes pas non moins une actrice des médias. Alors, vous allez jouer le rôle plutôt
et non de patronne, mais plutôt le rôle de journaliste. Et nous, nous sommes vos invités et nous nous soumettons à un entretien. Madame la journaliste, nous vous écoutons. Ah, d'accord. Chers invités, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Voilà. L'Institut... Mais on ne commence pas comme ça. Hein. On présente les invités. C'est la preuve qu'elle n'a pas souvent été soumise à l'exercice. On peut voilà, chère invitée, présentez-vous s'il vous plaît. Madame Delly Ghislaine Adimi, je suis présidente d'une ONG qui milite aussi pour la cause des femmes. Alors, très bien. On est trois invités. Chère dame, présentez-vous. Mirabelle Akwaki, femme leader. D'accord, très bien. Madame. Moi, c'est Yasmine Damata. Je suis également femme leader, activiste pour défendre les droits des femmes. Vous êtes toutes béninoises et vous savez très bien que depuis le mois de juillet dernier, le président de la République a mis en place un institut, une nouvelle formule qui s'appelle Institut national de la femme, qui est là pour œuvrer. Sur toutes les formes, hein, œuvrer pour éradiquer les violences basées sur le genre, les violences que les femmes subissent aujourd'hui dans notre pays, et pour faire également la promotion de la femme. Qu'en pensez-vous? Est-ce que pour vous, cet institut pourra faire ce gros travail, parce que le terrain, le chantier est tellement vaste? Qu'en pensez-vous? Merci, madame la journaliste. Vous l'avez dit, le chantier est vaste et l'Institut national de la femme, pour nous, est une aubaine. Nous espérons et nous comptons, bien sûr, sur cet institut pour une fois, pour de bon, régler les questions liées plutôt aux droits de la femme qui ne sont pas forcément respectés dans nos sociétés, notamment les violences qui deviennent de plus en plus récurrentes. Je me rends compte que l'exercice auquel nous soumettons les gens n'est pas facile puisque nous nous prêtons à là aujourd'hui. Exactement. Et je vous ai eu aussi. Bon, ben, sinon, je peux dire... C'est bon, Ghislaine, tu as déjà dit. On a compris que tu n'es Mirabelle Benna. Ouais, en tant que femme leader, militante également pour les droits des femmes, nous attendons beaucoup de cet institut. Et au-delà des propos, des paroles, nous voulons vraiment que les actions suivent et que nous voyons, nous vivons de façon palpable la promotion des femmes, qu'elles soient beaucoup plus représentatives dans les instances de décision. Et que nos droits soient vraiment. Tout le reste de minutes. C'est bon, on m'arrête. On m'arrête. Pour toute la minute qui reste. Je passe la parole. Merci, Mirabelle. Voilà. La feuille, c'est nous, déjà en tant qu'activistes, moi, au moins, nous travaillons déjà avec l'Institut. Et je suis sûre que d'ici 2 ans, ça va se faire. La femme va pouvoir dire haut les mains, halte aux violences faites aux femmes. Voilà. Voilà. Très bien. Bon, l'instant coquine taquine. Vrai. Vrai. C'est quoi t'appelles vrai là? Bon. Et tu voulais savoir quoi d'autre? Mais je veux savoir comment, à quel moment notre honorable prend soin de ses doigts. Parce que c'est toujours à tout coquine moment. Taquine. Oui. Déjà à tout moment. C'est déjà taquine. Ah mais à tout moment, hein, il faut la femme doit être propre. Voilà. L'homme, quand il rentre à la maison, il ne doit pas du tout trouver un défaut sur son épouse. Parce que ce sont ces genres de défauts-là qui poussent l'homme dehors. Donc, ne souhaitant pas du tout que mon homme aille dehors, je le fais correctement et lui-même, il voit que à 100%, il ne peut plus aller dehors. Il doit rester à l'intérieur avec son épouse. Merci. Propre et bien fait, en tout cas. Propre. Alors, et bien fait. Juste une dernière question, parce que là, on a yacuité sur le temps. De votre jeunesse à aujourd'hui, quelle est votre histoire d'amour? Qu'est-ce que vous retenez de plus en amour? Votre meilleure histoire d'amour? La belle histoire.
C'est notre histoire d'amour. D'amour. Ça va l'inspirer sûrement. Bon, histoire d'amour. Il faut dire que j'aime énormément mon mari. Je l'aime fortement. J'aime les enfants aussi. Merci, merci pour ces instants passés avec vous. Merci pour cette opportunité que vous nous avez donnée de nous retrouver ici, chez vous, dans votre intimité. Merci d'avoir accepté et jouer au jeu avec nous. Dites-nous comment vous avez trouvé. Ah, mais c'est vite fini, hein, parce que je souhaiterais qu'on reste ensemble jusqu'au soir. Mais là, oh là là. Non, mais c'est pas grave. Hein. Nous allons rester, hein, surtout que Francky nous a promis du champagne. Francky, tu nous rejoins, s'il te plaît. Mais pourquoi tu es pressé? Non, c'est à côté. Le champagne est au frais. Et voilà. Eh bien, on applaudit. C'est la première fois que Boulevard des Femmes reçoit sur son plateau un homme. Voilà. Francky, merci beaucoup d'avoir accepté de venir. J'ai vu que tu rasais un peu les murs. Tu avais peur de venir parmi nous. Tu as peur des caméras? Non. Prends le micro de maman. Merci, madame la journaliste. Je ne dirais pas que j'ai peur des caméras, mais j'aime bien rester dans l'ombre pour soutenir ma mère. D'habitude... Ah donc, je n'avais pas tort quand je disais que c'était le conseiller de maman. Exactement. D'habitude, on dit derrière chaque grand homme, il y a une femme. Mais derrière chaque grande femme, il peut y avoir pas que moi, parce qu'il y a... Bon, on peut être plusieurs, dont ma sœur et aussi. Ouais. Franchement, je voudrais quand même déjà vous remercier pour tout cet appui, tout ce soutien que vous êtes pour maman. J'ai pu le constater tout le long des moments que nous avons passé ensemble à préparer cette émission. J'ai pu le constater, maman recevait régulièrement des messages de ta... C'est ta jeune sœur? Oui, de ma sœur. Ségolène. Ben, dommage, elle n'est pas ici. On espère la voir aussi bientôt. Il faut dire que Francky a fini son cursus universitaire. Il y a sa sœur qui fait la communication à Boston University et aussi business et communication alors, à Boston University. Vous avez l'idée que ça me donne tout à l'heure de voir Francky assis à côté de l'honorable, une dame et un homme. Pourquoi pas une idée pour les prochains numéros de Boulevard des Femmes? Inviter aussi des hommes. On va casser un peu le rythme. Ça commence. On casse le code. Donc, mesdames, messieurs, bientôt, vous allez voir des hommes sur notre plateau de Boulevard des Femmes. Et nous voilà donc au thème de cette émission. Chaque numéro est pour nous un pari gagné, un pur bonheur. Et le fait de nous retrouver ici cet après-midi, ou plutôt ce soir, dans le beau jardin de l'honorable Claudine Prudencio, est encore pour nous plus de bonheur, et surtout que nous sommes en fin d'année. Et l'autre chose que j'ai peut-être oublié de souligner, c'est que nous sommes en train de finir les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Et ceci pour nous ouvre plutôt toute une plage d'émissions, toute une plage d'activités, puisque la lutte contre les violences faites aux femmes ne doit pas se baser sur seulement 16 jours d'activisme. Pour nous, sur Boulevard des Femmes, c'est plein d'années, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de jours, c'est beaucoup, beaucoup de mois et c'est peut-être beaucoup d'années, mais on y arrivera. Les violences basées sur le genre seront éradiquées par la grâce de Dieu avec les politiques et l'appui de tout un chacun. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, c'est encore plus de bonheur pour nous et vous nous donnez encore plus de force pour continuer. Mirabelle. Nous avons eu du plaisir à être dans ce beau cadre. Pardon, pas trop parler, tu aimes trop français. Et c'est pour votre plaisir, chers téléspectateurs. Yasmine Damata. Voilà. Mes chers téléspectateurs, mettez en application nos astuces. Fifame, Salomé, Atadeji, vous faites la main depuis là-bas. Merci à chacun et à tous. C'est toute une équipe qui travaille. Nous sommes toujours contents de vous servir. Mesdames, messieurs, merci et à très bientôt.